Bonjour tout le monde. Alors voilà, effectivement, je ne suis plus à Amichel. Je suis sur un parking à côté de Faro, pas très loin. Donc, je suis parti hier, je sais même pas à quelle heure, je crois que vers 1h, midi et demi, 1h, quelque chose comme ça. Parce que je vais aller voir, je voulais aller voir un garage, le garage Mercedes à Faro. Voilà, donc vous allez voir mon départ, parce que bien évidemment, Ambre l'a filmé, bien évidemment. Je l'ai fait courir en plus. Et vous allez voir aussi un peu de route et un peu le spot où je suis là actuellement. Voilà, à tout de suite. See you. See you. Yep. Have a nice time. Good trip. Thanks. Ce n'est qu'un au revoir. Ouais. Ma chérie. Et tu m'as pas donné ton linge. Non. Allez, go. Pour combien de temps? Où va-t-elle partir? Nous ne savons pas. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est pas un adieu. Domino, comme d'habitude, nous prend la tête et prend les oreilles de Krissa. Et voilà, j'attendais le cri de Krissa. Bye bye, Krissa. Bon, vous inquiétez pas, on va la revoir, hein. Elle va nous faire un tour d'honneur, tu sais. Come back, Krissa. Non, elle va partir, elle va pas me faire courir jusque là-bas. Bon, un petit départ. Ouais, le moteur il siffle toujours autant. Et justement, c'est pour ça. J'y vais chez Mercedes à Faro. À côté de Faro, il y a un garage Mercedes. Et j'espère qu'ils pourront le réparer. En attendant, on quitte le spot d'Amichel pour revenir. On est mardi aujourd'hui, je sais pas, peut-être vendredi, samedi, ça dépend le garage aussi. Il y a Bernard et Claire. Lui, il est français, elle est anglaise. Donc, qui voyagent ensemble avec un joli Imer. On va attendre qu'il soit sorti. Poursuivre, oui, effectivement, c'est pas très large, mais ça passe. Vous voyez, faut y aller doucement, faut faire attention au toit en haut, au rétro à droite. Mais je suis déjà passé deux fois, alors ça passera aussi une troisième fois, il n'y a pas de raison. Mais voilà, c'est fait. Et c'est parti.
Voilà, donc, lendemain, aujourd'hui nous sommes quoi? Mercredi. Mercredi, donc je vous raconte un peu ma journée d'hier. Donc je suis arrivée à Faro, je suis allée directement chez Mercedes, que je trouvais c'est hyper facile, c'est tout au long de la nationale, de la N125, donc c'est hyper facile à trouver, c'est très facile d'accès. C'est tout au long dans une zone un peu commerciale, un peu industrielle. Il y a feu vert, il y a des marchands de voitures, il y a un truc de bricolage aussi, voilà. Et je suis allée hier, donc le gars il parle super bien français, pardon, anglais, français je ne sais pas, je suis allée directement avec l'anglais. Et il m'a donné rendez-vous pour demain, et quand je demande le prix, pas génial, parce qu'en fait c'est 48 euros et des brouettes l'heure. Et il m'a donné rendez-vous uniquement pour faire un diagnostic. Quand je demandais combien de temps ça va prendre, bien évidemment, il ne savait pas. Bon, j'ai toujours mon rendez-vous, mais je ne vais pas aller, donc je vais appeler tout à l'heure pour annuler le rendez-vous. Pour la simple raison, je vous explique pourquoi. En partant de chez Mercedes, je suis allée à Bouley Cayman pour les bouteilles de gaz GPL, là où j'étais déjà la dernière fois, pour le remplir, il n'y a aucun souci. Il fait ça super bien, c'est une station qui ne fait que GPL. Et il a aussi un petit atelier mécanique, mais il ne fait que les voitures. Donc, j'ai demandé le monsieur, jeune. Il m'a dit, non, mais lui, il ne fait pas de voitures. Ils ne font pas des camping-cars, ils ne font que les voitures. Mais il faudrait que j'aille voir une autre entreprise qui s'appelle camperserf.com et qui est un peu plus loin, pareil, toujours au bord de la 125. J'ai l'impression qu'ici, tout est au bord de la 125. J'ai fait plusieurs allers-retours hier, alors maintenant, je la connais par cœur. Donc, je suis allée voir sur place. J'ai retrouvé des anciens voisins d'Amécia, les Hollandais, super sympa. Et il était, bon, au départ, un peu pas très super, hyper gentil, mais bon. Tant pis. Il y a un monsieur qui parle très bien français et anglais. Il y a un autre qui parle anglais. Apparemment, il est anglais. Donc, ils vont regarder avec des grands yeux. Mais qu'est-ce que vous voulez ici? Nous, on ne fait que des cellules. On ne fait rien de moteur, de véhicule. On ne fait pas ça. Oui, d'accord. J'ai dit, mais ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Je suis venu ici pour savoir si éventuellement vous connaissez quelqu'un qui pourrait me réparer ça. Voilà. Alors, ils m'ont donné le numéro de téléphone d'un certain Wayne, qui est anglais, qui a un garage, atelier mécanique, voiture, et il fait aussi des utilitaires, des petits camions et tout ça, qui s'appelle English Cars, et qui est aussi, pareil, tout au long de la 125, je fais des allers-retours sur la 125. Donc, je l'ai appelé, je suis allé le voir. Et là, c'est pareil, ça m'a fait plaisir. J'adore les mécanos qui n'ont pas besoin d'un ordinateur ou d'une valise à brancher pour savoir qu'est-ce que c'est comme panne. Et attendez, il faut que j'aille voir Domino. À tout de suite. Voilà, je disais donc deux mécanos, je parle une quarantaine d'années, un anglais et un écossais qui travaillent ensemble. Et qui m'ont tout de suite dit oui, c'est ça et ça et ça, mais pour confirmer, il faut quand même qu'ils prennent Foxy sur le pont. C'est pas possible tout de suite, c'est pas possible aujourd'hui, c'est possible que la semaine prochaine, jeudi. C'est ce que je vais faire. Je vais rester encore un ou deux jours ici. J'ai des trucs à faire, j'ai des courses à faire, j'ai envie de respirer un peu d'air atlantique. Vous savez bien, j'adore l'Atlantique, et en plus c'est vrai, Ambre, elle aurait pu venir, il n'y a pas de vent, il fait super beau comme vous voyez. Je vais faire quelques magasins, je vais faire quelques boutiques, bon j'ai déjà fait le plein de GPL, je vais faire des courses, et il y a un de mes magasins préférés du monde entier, c'est Ikea, je vais aller faire un tour. Vous savez, moi je suis une fille de la ville, je ne suis pas du tout une fille de la campagne, je suis née, j'ai grandi toujours dans les grandes villes, à Berlin, voilà,
Donc, de temps en temps, j'ai besoin de respirer un peu l'air de la ville. Voilà, mais c'est un besoin vraiment. Vous allez rigoler, peut-être, je n'en sais rien. Oui, la campagne, déjà dans la campagne, mais de temps en temps, j'ai besoin d'aller en ville. Donc, je vais en profiter. Je vais retourner à Meschal, oh, je pense, vendredi ou samedi. Je ne sais pas encore, c'est selon mes envies. J'ai aussi un peu de linge à faire, un peu de linge à laver, donc je vais me trouver une machine à laver. Et voilà. Voilà mon spot en face, en haut un peu. Faro. Faro, ouais, alors en fait ici, tout se touche à la Foxy, au soleil. Hein. Mais je vais quand même changer un peu de place, juste déplacer un tout petit peu Foxy, si je reste encore une nuit de plus. Là, je suis vraiment, ça s'appelle un lieu de pleine nature. C'est marqué dans Park for Night avec un petit sapin, voilà, un arbre. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, au loin, on entend la mer. L'océan, l'Atlantique, la côte sud. Donc, je suis vraiment sur la côte sud, là, de l'Algarve. Très beau. Allez, on va voir la mer. Voilà la mer. Bon, d'ici, on n'a pas vraiment accès direct. Voilà, on peut descendre. Là, il y a un chemin. Mais il est très 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 raide. Et moi je ne vais pas descendre pour deux raisons. Parce que premièrement en bas aussi c'est difficile d'avoir accès à la plage. Il faut traverser tout un tas de barrières, je ne sais pas trop quoi encore. Et puis surtout je n'ai pas amené mon bâton de marche donc j'aurai un peu du mal à remonter. En plus je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Voilà. C'était juste pour vous montrer la beauté du lieu. Bon, il y a quelques camping-cars en bas, là. Ils étaient déjà là hier soir. Il y a un, deux, trois, quatre. Un peu plus loin, il y en a encore un peu plus. Je crois que je vais changer de place. Bon, il n'y a rien à dire sur cette place. Ici, c'est magnifique, c'est très beau. C'est très calme. Mais si je vais rester quelques jours, faudrait que je me trouve un. Tiens, il y a un autre camping-car là. Maison abandonnée. Il faut que je me trouve un endroit plus au soleil parce que là je suis trop à l'ombre. Et je suis au milieu des arbres, vous l'avez bien vu tout à l'heure. Voilà, vous voyez là, il y a vraiment la place au soleil. C'est pas loin, hein. Même en camping-car par la route, Park for Night me dit ça fait 5 minutes. Ouais, c'est beau quand même. Hein? Ouais, on entend quand même. On entend l'Atlantique. Non, ça me fait pas peur des coins isolés comme ça pour répondre à. Quelques remarques et quelques questions peut-être si vous vous posez. Ici c'est très beau, c'est magnifique, on peut s'isoler, tout à fait isolé, complètement, tout en restant à proximité d'autres parce qu'en arrivant ici sur la place où je suis actuellement, premièrement je n'ai pas cherché plus loin parce qu'il commençait à faire nuit, la nuit commençait à tomber, c'est pour ça que je n'ai pas filmé l'arrivée. Et deuxièmement, il y a plusieurs camping-cars, mais on a la possibilité de s'isoler complètement, sans gêner. On peut avoir des endroits cachés par les arbres, sans vraiment gêner ou être gêné par le voisin. Et ça, j'adore ça, cet emplacement. Parce que d'ici, pour retourner sur la route ou sur la rue, parce que c'est une rue, en fait, on traverse un peu un lotissement. Là, on voit un peu derrière les maisons.
C'est pas loin. On n'est pas vraiment dans un endroit hyper sauvage, mais c'est assez sauvage et ça me plaît beaucoup. Je crois que je sais pas. Je verrai bien, et bien vous aussi, vous verrez bien. En attendant, je vais retourner dans Foxy et prendre mon petit déjeuner. J'ai changé un tout petit peu de place. Parce que, bon, ça me convenait pas trop. Allez, je bouge un peu, tout doucement, pour vous montrer Foxy. Voilà, et là, Foxy. Alors, juste une précision, je le précise et je le répète. Non, Ambre et moi, nous ne sommes pas fâchés du tout. Pourquoi d'ailleurs nous serons fâchés? Elle a envie de rester à mes chiales, ben elle reste à mes chiales. Moi j'ai envie de bouger, et ben je bouge. En plus, c'est vrai, j'ai eu mon truc de moteur à régler aussi. Mais non, nous ne sommes pas fâchés. Comme vous avez entendu dans l'intro, ce n'est qu'un au revoir et je veux revenir, bien évidemment, je veux revenir. On n'est pas fâché du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Séparation temporaire, ça va nous faire du bien, à toutes les deux, hein, pour ne pas rester scotché en permanence tout le temps, 24/24, 7/7. Non, de toute façon, c'est vrai, on n'est jamais scotché l'une sur l'autre, 24/24, 7/7. Non, ça, on ne supportera pas, ni elle ni moi. Donc voilà, c'est une séparation temporaire. On va se retrouver fin de semaine pour le week-end. Ah, il faut pas que je rate samedi après-midi la boulangère et le maraîcher. C'est hors de question que je rate ça. Hein? Et puis, ben, je reviendrai ici à Faro pour voir mon mécanicien anglais la semaine prochaine. J'ai rendez-vous jeudi matin à 9h. Donc, je pense que je vais revenir ici mercredi. Et puis, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Ah oui, en fait, je vais mettre en ligne cette vidéo tout de suite. Je suis en 4G et ça va hyper vite ici. Ambre, elle est toujours en train de tenter de télécharger sa FAQ, sa FAQ. Donc, la vidéo, elle est prête depuis quelques jours, depuis plus longtemps que la mienne déjà. Mais elle a des gros problèmes toujours avec le réseau, à un point que nous ne pouvons même pas communiquer par WhatsApp. Ben, on fait à l'ancienne avec des SMS, des MMS, des textos, comme on faisait autrefois avant Internet et les réseaux mobiles et ainsi de suite. Donc ne soyez pas étonnés. Si vous n'avez pas de nouvelles, si la FAQ d'Ambre n'est toujours pas en ligne, elle m'a dit il y a 10 minutes, ben c'est à 1% et ça fait 3 fois qu'elle recommence ou 2 fois qu'elle recommence. C'est vraiment galère. Et nous avons oublié, et elle et moi, en fait si, on a pensé brièvement, mais après ça a été oublié, que je prends sa vidéo avec moi sur une clé USB et je la télécharge ici. Je n'ai tout simplement pas pensé. Et puis, elle m'a dit qu'elle avait pensé, mais après, c'était parti aux oubliettes. Bon, soyez patients. Ça va arriver, mais on ne sait pas quand. En attendant, non, je le répète une fois, nous ne sommes pas fâchés du tout. Nous nous aimons toujours, nous nous détestons toujours, comme avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ha! Bon, sur ce, je vous souhaite une belle journée, bon après-midi, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!